Bah, Philippe Merlan, on est bien content de vous voir parce que d'abord on vous prend au saut du train qui était en retard. Absolument. Mais enfin il a fini par arriver. Mais enfin si vous êtes là, c'est parce que figurez-vous, vous êtes vraiment un des très rares journalistes à accepter de parler de journalisme. Et vous êtes vraiment pour nous l'homme de la situation, bien que vous ne soyez pas de Bergerac, parce que nous on essaye de parler aux journalistes de Bergerac, mais on n'y arrive pas du tout. Et donc voilà, donc merci d'être là et merci. Pour vous présenter très rapidement, on ne va peut-être pas parler que de vous, puisque d'ici une heure vous serez sur scène pour présenter votre truc, parce que vous n'êtes pas seulement journaliste, mais aussi un one-man show. Oui, conférencier gesticulant, on appelle ça. Conférencier gesticulant. Alors vous êtes un peu un type étrange, difficile à présenter, parce que d'un côté vous êtes un militant, vous avez un site qui s'appelle Reporter Citoyen, vous êtes toujours là. C'est une des choses que j'ai faites ces dernières années. Vous avez fait beaucoup de choses, entre autres journaliste professionnel dans beaucoup de journaux aussi. Et vous vous battez, si j'ai bien compris, en ce sens vous êtes un militant, pour cette affaire, le journalisme citoyen, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on devine quand même un petit peu qu'il s'agit de politique et de politique des médias, lesquels ne sont sûrement pas tout à fait satisfaisants sur ce plan politique aujourd'hui, donc on va en parler. Mais d'un autre côté, donc, vous êtes tout de même un type qui vous mettez en scène. Et parce que vous pensez que ce moyen est sans doute un des moyens intéressants pour faire passer cette politique. Alors peut-être on parlera de ça, l'articulation des deux. Et puis enfin, la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on a quand même quelque chose en commun avec vous, nous autres pauvres provinciaux. c'est l'intérêt pour Acrimed, Action Critique Média, avec lesquels je crois, enfin que vous connaissez bien. Je suis membre même, je peux le dire. Membre de l'Acrimed. Voilà, on a rencontré Henri et Mahler il y a quelques années de ça, avec des rencontres qu'on avait organisées autour des médias. Mais voilà, ça nous fait encore un truc en commun. Bien. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. C'est une belle présentation, Gilles. Tu parles. effectivement, on est très content de vous recevoir parce qu'il y a beaucoup de points communs. Vous êtes toujours journaliste. Officiellement retraité. Officiellement retraité. Voilà. Je ne sais pas comment tu avais envisagé. Moi, il y a trois points qui m'intéressaient. C'est d'abord cette question de critique des médias, parce qu'Acrimed, une sorte de point commun entre nous. Savoir comment éviter la haine des médias, puisque ces derniers jours. Pourquoi éviter on a beaucoup... Oui, donc, parce que la haine, c'est pas bien. La frontière entre la critique et la haine peut pousser jusqu'à ce qu'on a reproché à M. Mélenchon il y a quelques jours, disant que la haine des journalistes ou des médias était saine et juste. Après, quand on va sur son blog, au fait, on s'aperçoit qu'il y a autre chose que cette simple phrase qui a été relayée par les médias dits dominants. Donc en 2017, vous étiez au troisième journée d'Acrimed, vous avez présenté votre conférence gesticulée. Mensonge, pensée unique, quelle frontière entre critique et comment est-ce qu'on peut se sortir d'une critique des médias qui ne soit pas simplement un rejet total, parce que voilà.
Ah, voilà. Ça commence comme ça, c'est bien. Moi, je ne rejette pas du tout. Alors, je ne rejette pas ce métier, d'abord. C'est un métier, le métier de journaliste que j'ai choisi, dont j'ai une part de fierté, voilà. Pas que, mais une part de fierté. Et vous êtes d'ailleurs formateur, je crois. Aussi. Je suis formateur, voilà. Puisque Reporter citoyen, vous l'avez évoqué, c'est une formation gratuite aux journalistes pour les jeunes des quartiers populaires. Donc, si je forme aux journalistes, c'est que j'estime toujours que le journaliste peut être un outil de démocratie, d'émancipation, enfin de plein de choses positives, voilà. Par contre, c'est vrai que dans mon parcours professionnel, au fil des ans, ben, je suis devenu de plus en plus critique vis-à-vis d'un certain nombre de dérives ou de dysfonctionnements des médias. Alors moi, ça ne me pousse pas à la haine ni des médias ni des journalistes. Je pense qu'il y a de très... Voilà, je me suis mis de plus en plus à fréquenter des gens qui avaient des critiques très fortes à faire vis-à-vis des médias. Et comme pas mal de collègues, de confrères et de consoeurs, je trouvais ça en partie injuste au départ. Je disais, ben, c'est excessif et tout. Puis quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si, par exemple, selon le baromètre de crédibilité des médias qui est fait chaque année, les Français estiment à peu près que la moitié des choses ne sont pas la réalité, enfin de ce qu'on leur raconte dans les médias ne sont pas la réalité, et que c'est à peu près constant depuis 20 ans, je me dis, ça pose quand même un problème, quoi. Il faut peut-être commencer à écouter le public et les citoyens. Donc je me suis de plus en plus intéressé à la critique des médias, mais j'ai surtout essayé, d'abord par un livre, puis aujourd'hui par ma conférence gesticulée, de faire une critique de l'intérieur du métier. C'est-à-dire de dire ben, comment ça se passe en interne, finalement, pour qu'on produise cette information qui insatisfait tellement les citoyens et qui leur fait penser que oui, on est complice des pouvoirs économiques et politiques. Vous avez incriminé, je crois, l'origine sociale de la plupart. Ça fait partie des éléments, par exemple. Hein, mais de se dire, parce que moi, ce qui m'a frappé au bout d'un moment, c'est de me dire... Ben oui, au final, c'est vrai qu'on doit véhiculer une information qui est quand même très proche des intérêts des pouvoirs politiques et économiques. Mais au fond, quand on est à l'intérieur comme journaliste, les cas de pression directe ou de censure directe, soit du monde politique, soit du monde économique, que ce soit par la publicité ou que ce soit par la propriété des médias, et bien finalement, ils ne sont pas si fréquents que ça. C'est, hein, c'est un des petits points, c'est intéressant parce qu'il y a plein de points, par exemple, avec les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi, sur lesquels je n'étais pas en désaccord, mais je me disais ça ne suffit pas parce qu'il insistait beaucoup sur cette question de la propriété des médias par des grands groupes industriels et financiers. C'est l'hégémonie. Et c'est vrai que c'est une réalité. C'est l'hégémonie, c'est une réalité. Mais comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, on ne reçoit pas tellement de coups de fil de l'actionnaire. Hein, voilà. Donc, donc ce que j'ai essayé de faire, de construire au fur et à mesure, c'est de raconter de l'intérieur, en tant que journaliste, ben, comment ça se passe finalement pour produire les cette information. Les nouveaux chiens de garde incriminés aussi, outre les patrons de presse, effectivement, ça peut se discuter. Le capitalisme est sorcier, il ne va pas directement taper sur les mecs, c'est normal. Mais il incriminait aussi les, ce qu'il appelle les éditocrates, un petit groupe de journalistes qui, au fond, accaparerait la médiatisation. Mais c'est, alors, c'est pareil, hein, c'est-à-dire, et ceux-là, par exemple, les éditocrates, c'est clair qu'ils sont en contact direct avec les élites politiques et économiques. Donc là, il y a une espèce de consanguinité extrêmement... le dîner du siècle. Mais comment ça se fait quand on est journaliste, en plus, dans des journaux localisés à des endroits différents, de sensibilités politiques comme ça, en apparence différentes, de périodicités différentes, comment ça se fait que finalement on fait tous à peu près les mêmes sujets de la même manière? Moi, c'est cette question-là m'a intéressé au fur et à mesure, et de me dire, si c'est pas de la pression directe pour qu'on nous dise « faut que vous traitiez ça », qu'est-ce qui fait que finalement on fait tous un peu la même chose? Parce que ce n'est pas une question de moyens, enfin, c'est peut-être une question bête, mais il n'y a pas assez de sous, quoi, parce que ça coûte très cher le journalisme. Oui, absolument. Mais c'est une des raisons. Excuse-moi Gilles, mais pour compléter, il y a cette piste-là, mais sans parler des coups de fil, il y a une sorte aussi de formatage par les écoles de journalisme, une autocensure aussi, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre un coup de fil pour s'autocensurer. Oui, absolument. Et puis je pensais aussi à une autre piste, parce qu'on parle de formatage,
c'est la façon dont les reportages sont complètement formatés. Mmh. 1 minute 30, oui. Des plans séquences, même pas de plans séquences, des plans très rapides. Dans la forme elle-même. Dans la forme elle-même. Et en fait, on peut regarder France 3, Périgord. Ça, il le démontre très bien dans sa conférence. Voilà. On prend les gens pour des cons. Mais donc ça peut être une piste, c'est-à-dire remplacer cette grammaire normative par autre chose. Absolument, vous avez raison. Quel type, parce que nous, à Canal Pop, on peut faire des émissions très lentes, on n'est pas du tout dans cette, cette normativité. Pas non plus un véritable exemple. Est-ce que ça pourrait être un levier dit, parce qu'en fait, est-ce que les journalistes se rendent compte qu'ils font tous quasiment le même format, quoi? Je pense que en interne, ça commence à se ressentir plus qu'il y a quelques années. Je pense qu'il y a une insatisfaction. Parce que pendant des années, je crois qu'il y a eu une difficulté de ce milieu à se remettre en cause. Parce que aussi, c'est un métier noble, dont on est fier, etc. Et même dire, finalement, dans ce métier-là, je ne fais pas ce que je veux, parce qu'il y a telle contrainte, il y a mon patron, etc. C'est gênant. C'est un truc qui est un peu inassumable socialement. Et je crois que beaucoup de confrères et de consoeurs ont tendance à dire, ouais, mais quand même, je suis libre, etc. Enfin, voilà, d'avoir une revendication, voilà. Mais ça, je crois que c'est un peu en train de changer à l'heure actuelle, et il y a une capacité à plus dire, je vais employer ce mot, la souffrance qu'il y a quelquefois dans les salles de rédaction, parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi. Voilà. Mais comme c'est un métier de fierté, c'est difficile à le dire. Vous avez exercé dans des journaux nationaux, Équipe, Les Échos, La Vie, Libération. Mmh. Mais est-ce que la distinction presse nationale et presse régionale, ça compte? Et est-ce que ce qu'on est en train de regretter tous ne touche pas davantage la presse régionale que la presse nationale ou comment? Alors, je pense que ce sont deux réalités quand même assez différentes. Alors, je connais moins la presse régionale. J'ai été un temps, cela dit, c'était intéressant parce que j'ai été un temps correspondant en région pour un quotidien national. Mmh. C'était Libération qui, à l'époque, avait choisi d'investir beaucoup. Enfin, on était 12 correspondants, alors que Libé avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Ouais. Mais on était 12 correspondants permanents à plein temps dans des villes de région. Voilà. Et c'était intéressant parce que je voyais bien. Une des différences notables, c'est que moi je savais que les gens sur qui j'écrivais, je pouvais les rencontrer le lendemain. Ah oui. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se censurer, mais j'allais dire, ça met dans un rapport avec les gens dont on parle, où on sait qu'il va falloir assumer devant un café ou un truc comme ça, de dire... C'était une grande ville ? C'était Grenoble. Grenoble, voilà. Et je voyais bien que ça créait des différences de fonctionnement. Voilà. Parce que je pense que, malheureusement, quand on est... je ne vais pas tout développer de ma conférence, là, mais plus on est dans un journal déterritorialisé, plus on est dans la bulle, quoi. Enfin, voilà, dans une espèce de réalité abstraite, virtuelle, loin des préoccupations des gens. Et alors, j'ai pu le vérifier. Là, je l'ai un peu abandonné. J'ai été très étonné à l'automne dernier des titres de la presse régionale, parce que pour faire ma conférence gesticulée, je suis quand même... J'ai vous tapé plein de trucs. Voilà. Ouais. Et donc, tous les matins, je regarde à peu près tous les titres qu'il y a de la presse nationale, régionale, etc. Et à l'automne dernier, j'étais absolument étonné, ça n'a pas duré, mais il y a eu 2-3 mois, pendant laquelle la presse régionale et locale a sorti en une énormément de sujets sur tous les problèmes qu'il y a au fond dans la société actuelle. Problème d'accès aux soins, problème d'inégalité, voilà. C'était les élections qui ont déclenché ça? Je ne sais pas. Non, parce que ce n'est pas en période de... Non, je disais à l'automne. Hein. Ouais. Et je me disais, mais c'est étonnant, parce que chaque jour, il y avait 2 ou 3 journaux locaux et régionaux qui faisaient leur titre sur des thèmes, j'allais dire, qui pourraient s'apparenter, en tout cas, à un ras-le-bol de fond sur qu'est-ce qui ne va pas, sur les finances, sur l'hôpital, sur... Voilà. Et je voyais l'énorme écart qu'il y avait entre cette presse-là et la presse dite nationale, qui est une presse parisienne, en fait. Inversement, moi je pensais, c'est plutôt pas mal pour la PQR, ce qu'on est en train de dire là, mais inversement, je pensais que la PQR était beaucoup plus formatée que la presse nationale. Le formatage n'est sans doute pas tout à fait le même, puis je vais pas trop en parler, moi, parce que je connais pas... mais vous voyez, en tout cas, sur le choix des sujets, ça m'a frappé pendant quelques mois, parce que je pense qu'en même temps, il y a cette histoire de proximité, quand même, qui est plus forte,
et qui fait qu'on est moins dans des grandes idées générales. Je vois moins éternellement à la une des quotidiens régionaux les sujets sur l'islamosphère, comme dit le Figaro Magazine. Des trucs comme ça. Pourtant, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a une certaine défiance. Je crois que c'était 30% des Français qui ne faisaient pas confiance aux médias. C'est à peu près pareil pour les partis politiques, d'ailleurs. Oui. Même si les sondages, on peut... On était à 27 en 2012, quelque chose comme ça. Oui. Bon, c'est déjà pas mal. Ça fait 70% qui y croient. Mais après, on reparlera des médias de proximité, entre guillemets, quand on parlera peut-être des télévisions locales, si on a le temps. Mais c'est, comme vous dites, cette proximité de la PQR ne donne pas forcément du contenu qui corresponde à une réalité, c'est-à-dire réelle. Enfin, on reproche souvent aux médias entre guillemets dits dominants, même des médias de proximité, de finalement soit faire de l'occupationnel, enfin de montrer des choses, on ne montre pas forcément des revendications sociales ou autres. Oui. Donc la proximité n'est pas forcément gage de... Non, mais par contre sur le choix des sujets, je pense que de temps en temps, ça introduit un peu... Enfin moi j'ai tendance à trouver qu'il y a de mon petit poste d'observation, qu'il y a un petit peu plus de variété des sujets dans la PQR que dans la presse nationale. D'accord. Un petit peu. Un certain réalisme qui s'impose. Oui, c'est ça, un certain réalisme qui s'impose. Je ne vois pas forcément le traitement après, mais sur cette question, alors, choix des sujets. PQR, ok. Est-ce qu'on peut dire un mot de la télé quand même? Est-ce que vous faites un sort particulier à la télé dans l'univers du journalisme? Ou bien est-ce que c'est simplement... Là, je vais en parler pour le coup en tant qu'usager, parce que moi, je n'ai jamais travaillé, donc j'ai travaillé un petit peu en radio, essentiellement en presse écrite et en web à la fin, enfin voilà. Mais pas du tout en télé. J'ai jamais fait de télé, donc je ne connais pas cet univers de l'intérieur, donc je ne le raconte pas dans ma conférence gesticulée, puisque le principe d'une conférence gesticulée, c'est de partir de sa propre expérience, voilà. Alors en tant qu'usager, l'outil télé peut vraiment pour moi permettre le pire et le meilleur. Le pire, c'est les journaux télévisés, malheureusement. Je vais en raconter un ce soir, parce que j'en ai vu un il y a 10 jours. De temps en temps, ça fait du bien. De temps en temps, je me remets à regarder les vrais médias. Il fait ça tous les jours. Oui, il fait ça tous les jours. Oui. Et parce que par moments, j'ai peur d'exagérer, quoi. Et alors, ça m'arrive de temps en temps de me rebrancher, mais je me dis, non, t'exagères ça pas. Rassure. T'es en deçà presque de la réalité, quoi, de temps en temps. J'appuie sur le bouton Poujadas, ça mène. Et par contre, alors, je me remets à regarder pas mal la télévision, c'est la qualité des documentaires et reportages qui passent sur Arte, sur La 5, sur LCP quelquefois, sur... voilà, on a des trucs absolument remarquables en qualité d'information. En documentaire. En documentaire, et il y a des trucs passionnants. Enfin, On n'est pas du tout dans la même... de même type de formation absolument, que le journaliste. Absolument. Je sais pas si on peut encore parler de journalistes. Ça ne dépend pas d'ailleurs de la rédaction en général. Restez encore un tout petit peu sur la télé, même de l'extérieur, comme nous tous. Qu'est-ce que vous pointeriez comme principal? Pourquoi vous dites que c'est vraiment les journaux télévisés qui sont la plus grosse merde possible? Parce que je pense que le formatage... À quoi c'est visible? Je pense que le formatage... Alors, par exemple, en termes de durée, c'est le média qui est le plus strict là-dessus. Hein, c'est 1 minute 20 et on déroge pas d'une minute 20. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Le type de discours, la façon même de poser la voix, enfin plein de choses comme ça, sont formatées à un point qui est absolument extraordinaire. Quoi. Alors, il y a un autre... tout ça, je le dis sans pratiquer le métier de l'intérieur, mais une des difficultés, je trouve, avec la télévision, parce que, vous savez, en tant que journaliste, on est parfois confronté à la question que nous posent les gens de l'article que vous allez faire sur moi, est-ce que je peux le relire, voilà, etc. La règle de déontologie, théoriquement, c'est on peut faire relire une interview, c'est-à-dire que la personne valide ses propos, on ne fait pas relire l'article qui appartient au journaliste lui-même. D'accord. Mais moi, ça m'arrive, par exemple, de passer un coup de fil en disant, ben oui, c'est mon article, mais voilà ce que je vous fais dire dans l'article, les endroits de citation, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et cette règle-là, qui permet, par exemple, pour une personne de voir ce qu'on a gardé de ses propos, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est terrible,
hein, c'est que on peut faire une heure et demie d'interview et ce qui va en rester, voilà, hein, donc c'est ça. Bon, alors il y a des vrais manips avec ça, on en connaît quelques-unes historiquement, y compris ces dernières années. Je Mélenchon, pense que ce scrupule a bien disparu. On a été victime, mais cela dit, techniquement en télé, c'est quasi impossible de dire à la personne, je vous montre le montage que j'ai fait de vous. Enfin, voilà. Donc on a une vraie difficulté là-dessus. L'équivalent de la relecture d'une interview n'est malheureusement pas possible en télé. Quoi. Voilà ce qui est... Moi, j'ai toujours pas trouvé mon alter ego. Alors, parce que l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas venu tout de suite à Canal Pourpre, lui était déjà là. Mais je résistais à venir parce que pour moi, la télé, c'est la connerie par excellence. J'exagère, bien entendu, mais bon. Et pour une raison très simple, c'est que ces types font semblant de me regarder, sachant qu'ils regardent une caméra. Oui. Et cet univers du mensonge me paraît absolument indépassable. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire quoi que ce soit. Dans la mesure où ils regardent une caméra pour me faire croire qu'ils me regardent, Il y a quelque chose tout est mensonge. Et qui est de l'ordre de l'illusion. Même s'ils disent que le ciel est bleu quand le ciel est bleu. Et pour poursuivre sur ce que dit Gilles, comment vous expliquez, par exemple, si ma grand-mère me dit « la France est en récession économique », c'est ma grand-mère qui dit ça, donc le même message, soit je vais dire bon, « elle est folle » ou je sais pas quoi, et je vois Poujadas qui me regarde droit dans les yeux, dans la caméra, qui dit « la France est en récession économique », et ce message peut avoir un impact sur les gens qui regardent la télévision. Ben, il l'a pas, hein, parce que justement... Enfin, Poujadas ou quelqu'un d'autre. Non, je ne parle pas de Poujadas. Oui. Mais globalement, puisque effectivement, on voit qu'à peu près la moitié des Français pensent que ce n'est pas la vérité qu'ils voient. Alors. Oui, il y a un problème avec l'image, c'est qu'il y a une espèce de croyance en, je l'ai vu, donc la vérité de l'image, voilà. Alors, et qui est dangereuse, effectivement, parce qu'on sait que les images sont construites, mais c'est vrai que je pense qu'on a plus de capacité critique à un texte écrit, parce qu'on sait qu'il est le produit d'une fabrication, et sur l'image, c'est vrai que ça semble la vérité. Mais je pense que les chiffres là, de la défiance prouvent que les gens ne croient pas forcément ce qu'ils regardent à la télé. Ça arrive même à des... Je vais vous raconter une anecdote. Quand on a démarré Reporters citoyens, donc on avait des jeunes qui étaient très... des jeunes des quartiers populaires qui étaient très anti-médias, hein, et il y en a un qui... Au début, on leur a demandé, on leur a dit, mais c'est quoi vos sources d'information? Qu'est-ce que vous estimez? Et il y en a un qui m'a dit, moi, ma meilleure source d'information, c'est le JT de TF1, parce que comme je pense qu'ils mentent de la première à la dernière seconde, Je le regarde et je retourne. Je lui dis, tu sais, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il regardait le JT de TF1 en se disant, c'est des mensonges du début à la fin, et donc je le regarde pour penser que c'est exactement la vérité. Connaître son ennemi. Oui, mais quand on en arrive là, c'est très dangereux. Quoi, mais alors du coup, dans cette expérience, dans ce projet qui continue, je crois, avec... est-ce que vous utilisez la forme habituelle, la norme, dans les reportages qu'ils font? C'est très variable, parce qu'en fait, donc Reporters citoyens est d'abord une formation. On publie des choses sur le blog Reporters citoyens, mais c'est des travaux écoles. Et puis comme c'est mené parmi les deux acteurs qu'on crée Reporters citoyens, il y a la télé libre qui est une web télé. Donc il arrive qu'il y ait des sujets faits par les reporters citoyens qui se retrouvent sur la télé libre. Mais par exemple, c'est son vrai que la télé libre... La caméra, Oui, Jean-Paul Le Père, s'il regarde la caméra, par exemple. Absolument. mais je pense que c'est pas... Et alors vous le faites pas, du coup, c'est ça? C'est intéressant. J'essaie. C'est intéressant, d'accord. Oui. Mais par contre... Vous n'êtes pas de journal télévisé, vous êtes toujours avec des gens. Oui. Non, mais par exemple, Michael Moore, on peut se mettre en scène en regardant la caméra en disant « Regardez, je vais interviewer ». Voilà, on peut toujours faire ça. Par contre, au niveau des longueurs, par exemple, la télé libre échappe très largement au format habituel. Ah, mais c'est ça, des plans de 2 secondes, voilà, une musique anxiogène. Donc là, sans vouloir vous embêter, mais j'ai quand même une question un peu peut-être gênante à vous poser. Je m'en vais. Non, mais on vient de parler de la critique des médias. Donc, et n'oublions pas que les médias se chargent très bien de leur propre critique. Très bien, entre guillemets. Mais combien y a-t-il d'émissions à la télé qui se moquent de la télé? Tout le monde connaît ces amuseurs. Il y a les présentateurs du journal, d'accord, mais il y a aussi tous les éditocrates, en d'autres termes, qui sont les amuseurs publics et qui... où la télé se moque d'elle-même, où sans arrêt les types roulent dans la farine
eux-mêmes en général. Hein. Mmh. Alors, comme vous êtes aussi ce type qui mettait en spectacle la critique la critique du média, comment vous faites pour éviter ce piège, je ne sais pas comment appeler ça, vous voyez, ce côté circulaire là. Pourquoi voulez-vous détester la télé, puisque la télé est la première à se moquer d'elle-même, enfin, Oui, mais elle se moque sur le mode de l'amusement. Enfin, moi je vois les vraies émissions de critique des médias, elles ont progressivement disparu quand même. Il n'y en a plus vraiment. Arrêt sur image est passé sur le web, mais il n'existe plus. Enfin, voilà. Donc je ne trouve pas. Je pense que ce serait intéressant d'ailleurs, mais je n'ai pas fait la recherche là-dessus, mais de regarder combien il y avait d'émissions de critique des médias sérieuses sur les chaînes radio et télé il y a 10 ans et combien il y en a aujourd'hui, parce qu'il y en avait plus, je pense. Maintenant, il y a un médiateur qui a remplacé. Il y a de moins en moins. Mais le médiateur, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment, c'était à la mode, mais il y a de moins en moins. Il y avait les médiateurs à la télévision, à la radio aussi, de temps en temps. Ils ont tous leur médiateur. Il y a de moins en moins. Ils sont de moins en moins présents. Le médiateur n'a pas. Enfin, de toute façon, ils sont en nombre très limité. Mmh. Ils sont quand même d'un statut fragile parce qu'ils sont censés représenter le point de vue du public et ils sont payés par la chaîne ou les médias. Voilà. Donc il y en a qui jouent correctement le jeu, il y a des médias qui jouent correctement le jeu, il y en a qui ne l'ont pas joué parce qu'il y en a qui ont été virés quand ils voulaient manifester trop d'indépendance vis-à-vis de leur employeur. Hein, voilà. Moi je pense que le système des médiateurs, il a eu de l'intérêt au début parce qu'il a fait se poser la question de comment le public peut intervenir dans un média pour faire savoir qu'il n'est pas d'accord. Voilà. Mais après, il faut à mon avis sortir du cadre d'un média particulier pour créer ce qui existe dans plusieurs dizaines de pays dans le monde, et en France on est toujours ce qu'on appelle un conseil de presse, c'est-à-dire c'est une instance de médiation nationale auprès desquelles les gens qui s'estiment victimes de désinformation, de maltraitance médiatique, puissent recourir. Voilà. Et on n'est pas loin d'une centaine de pays dans le monde qui ont ça, et pas en France, c'est quand même assez singulier. C'est ce que demande aussi Acrimed d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, un des symptômes de la crise entre guillemets médiatique, c'est le passage des médias traditionnels à Internet, le glissement de la publicité des médias traditionnels à Internet. Il y a eu plusieurs ouvrages ou manifestes de ces dernières années, le manifeste pour un journalisme du 21e siècle par Saint-Exupéry et Beccaria, Éric Scherrer pour un journalisme augmenté, Ignacio Ramone, et souvent, une des pistes d'Éric Scherrer, c'était par exemple de tout miser sur Internet, de faire du beau contenu pour attirer les jeunes. Ça ne me paraît pas forcément quelque chose qui remette en cause l'un des problèmes récurrents de la défiance médiatique. Qui proposait ça, tu dis ? Éric Scherrer, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pour un journalisme augmenté ». Donc, il reprend en fait les symptômes qu'on a plus ou moins listés. Et une de ces pistes, c'était, outre le fait qu'il faut un peu plus de déontologie, mais tout miser sur Internet, mais en fait, en reprenant des formes qui sont déjà des formes des médias dominants, faire du beau contenu pour attirer les jeunes. J'avais retenu cette phrase. Un beau contenu. Bon, là, c'est pas une piste crédible ou sérieuse pour redonner confiance quand même. Non, alors faire du beau contenu, non. L'intérêt quand même de l'Internet, pour tenter qu'on arrive à un modèle économique un peu stabilisé, moi j'ai voulu, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à développer mes idées sur la critique des médias et puis sur du journalisme participatif et citoyen, parce qu'il y a pas loin de 25 ans maintenant, j'ai voulu créer un nouveau média. Et du coup, j'étais le principal fondateur, donc je me suis, y compris coltiné, les budgets prévisionnels à faire, etc. C'est très sur papier Papier, ouais. Okay. Et un projet. J'étais un peu mégalo, voilà. Je pense que ça a échoué parce que je pense que c'était jouable. Oh, c'était une préfiguration parce que c'est avant l'altermondialisme, avant Attaque, mais c'était un autre monde est possible, quoi, en gros. D'accord. Et plein d'expériences y contribuent. L'autre journal. Voilà. Oui, il y avait l'autre journal qui était super, d'ailleurs. Enfin, voilà. Et quand j'ai fait les budgets prévisionnels, je me suis rendu compte que les coûts de fabrication et les coûts de diffusion étaient tels qu'en gros, 20% du budget d'un journal papier sert à payer le travail rédactionnel. 20% au mieux. Quoi, voilà. Tout le reste, c'est l'impression. La diffusion mange à peu près la moitié du chiffre d'affaires, pas loin de 45%. L'impression énormément, l'administration forcément un peu, donc il reste 20%. Dans un modèle, j'ai vu les chiffres pour Mediapart, le budget de Mediapart, 95% sert à financer le travail rédactionnel. D'accord.
parce qu'on n'a plus de diffusion, on n'a plus d'impression, on n'a plus de... Ce qu'on appelle les pure players sur Internet, comme Huffington Post, Mediapart... Ouais, oui, les pure players. Ouais. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est quand même un truc qui est assez intéressant, c'est de se dire, ben, ce qu'on va acheter, c'est d'abord du travail journalistique. Alors, si vous achetez un journal, vous allez acheter sur le prix, papier, si c'est 5 euros, il y aura 1 euro pour le travail journalistique, en fait. Voilà. Donc, cet élément-là, je le trouve très intéressant dans l'évolution pour aller vers l'Internet. C'est-à-dire, on va revenir à l'idée d'acheter de l'information. L'initiative de Saint-Supéry, là, son 21, tout ça, ça a l'air de marcher. Oui, ouais, mais ça, c'est du papier. Enfin, on n'est pas dans le... Non, mais justement, il dit... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est intéressant. C'est financé uniquement par les lecteurs, etc. Ben, c'est intéressant aussi parce que... Peut-être qu'ils ne payent pas les journalistes. Et si, ils payent les journalistes. Mais ils ont fait le pari, eux, de format long, justement, oui, à une époque où tout le monde dit non, il faut faire court, ouais, etc. Oui, oui. Et ça a marché. Enfin, ouais, ça prouvait qu'il y avait un public... Donc je pense aussi que parmi les éléments de ce qui ne vont pas dans les médias, c'est le fait d'avoir introduit dans les médias un marketing... Bon, le marketing, on peut en faire, mais on peut en faire de façon intelligente. Et le marketing qui est fait dans beaucoup de médias est quand même très conservateur, très répétitif. Enfin voilà, il n'y a pas de prime à la nouveauté dans ce marketing-là. Il n'y a pas la possibilité de faire un pas de côté. Si un Père Noël arrivait sur vous en disant, bon écoute, ce que tu as fait il y a 25 ans, est-ce que tu ne voudrais pas le refaire? Est-ce que vous seriez partant? Est-ce que ça vous paraîtrait tentant quand même? Oh. Je veux dire, la production de journal papier. Oui aussi, moi j'adore le papier, moi, enfin, je reste, voilà, ouais. et je pense, mais je pense que, alors, d'une certaine façon, c'est drôle, parce que en fait, nous on voulait surtout faire un journal papier, mais comme on voulait, parce qu'en gros, le projet rédactionnel, c'était un journal qui soit irrigué par toutes les initiatives de citoyenneté, de solidarité, de résistance, de création, etc. Et donc très vite, on s'est dit, mais on ne va pas y arriver, nous, équipe de 6-7 journalistes, voire 10 si on arrivait à notre budget maximum. Et donc il faut qu'on se repose sur les lecteurs eux-mêmes pour nous alimenter en initiative. Quoi, voilà. Ah, oui. Et le projet de journal s'appelait Cité, et on a failli créer le 3615 Cité, en Minitel, parce que c'est passé en 1994, hein, et des gens sont venus me voir et m'ont dit, tu sais, il y a un truc qui est en train d'arriver, et ça devrait t'intéresser. Et du coup, alors je ne suis pas du tout, moi, un spécialiste de l'informatique, des nouvelles technologies, on a créé du coup un site internet, Place Publique, qui a été un des pionniers de l'Internet citoyen, mais on l'a conçu comme outil pour alimenter notre grand projet qui était le journal papier. Alors qu'à l'heure actuelle, il y aurait là le grand magicien, le grand bienfaiteur. Je pense qu'on équilibrerait entre du papier et du web, parce qu'il y a quand même des trucs très agréables. Je pense qu'on ferait les deux. Comment vous avez vu comme ça l'initiative de l'Hebdo, là, récente Le Caire. on parlait tout à l'heure du manifeste pour un journalisme du 21e siècle. Quand lit ce qu'ont écrit Beccaria et Saint-Exupéry, quand on voit l'hebdo, c'est un fossé total. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans ce. Et non, on est d'accord. Enfin, voilà. Et moi, j'ai apprécié beaucoup. Enfin, on se connaît un peu en plus. Et je ne comprends pas ce truc-là. Voilà. Ouais. Vous n'avez pas eu l'occasion de lui dire Non, parce qu'on n'est pas assez proches. On s'est vu plusieurs fois. On a signé nos manifestes, que nous on avait fait aussi un manifeste à une époque, et donc on se les a signés mutuellement. Je pense parce qu'apparemment ils ont aussi des correspondants partout. Et donc il y a plein de points d'accroche. Qui étaient plutôt encourageants d'ailleurs. Absolument. Et malheureusement, ça n'a pas forcément porté ses fruits. On pourrait peut-être parler des télévisions locales, tant qu'il nous reste un peu de temps, je pense. Oui, on a un quart d'heure. À chaque fois qu'on va quelque part à Bergerac, on rencontre les journalistes de la PQR et nous on dit on n'est pas des journalistes, on n'est pas des professionnels, on est des amateurs. C'est tout simplement vrai. Le slogan de Canal Pourpre, je ne sais pas si vous en avez parlé, télé faites-la. Il est allé regarder. Et ça reprend ce que disait un chanteur punk, un activiste anarchiste américain qui disait « Don't hate the media, become the media ». Ça veut dire que nous, c'est n'importe quoi. Ne haïssez pas les médias, devenez le média. Ça veut dire que, on prend la caméra, on va filmer ce qu'on veut filmer, on va le montrer de façon totalement subjective, complètement assumée. Est-ce que, en tant que même journaliste retraité, enfin ancien professionnel, est-ce qu'il y a une méfiance ou une défiance vis-à-vis de ces médias, entre guillemets, citoyens qui s'auto-érigeraient en journaliste et qui, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent
Alors, qui vous peut vous inquiéter ? Moi, pas du tout. Mais alors là, je peux dire que quand j'ai commencé à souscrire à ce genre de choses, j'étais vraiment très, très isolé dans mon milieu. Oui. Voilà, parce que quand on a fait place publique, en fait, au départ, il y avait l'idée d'être irrigué par des initiatives, voilà. Mais on s'est dit, mais non, faut coproduire de l'information entre nous, équipe de journalistes et des citoyens, voilà. Et moi, ça a même été le point de départ un peu de ma gamme, enfin le point de départ, ou d'accélération. C'est-à-dire, par exemple, on a inventé un outil qui s'appelait les conférences de rédaction ouvertes, où plutôt que de rester la rédaction entre nous, on invitait tous ceux qui voulaient à venir participer à l'élaboration d'un numéro sur l'Europe, l'utopie, etc. Voilà. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est là où j'ai commencé à réaliser, parce que comme j'avais toujours des pieds dans des médias mainstream, on va dire, voilà, bien par certains côtés d'ailleurs, voilà, mais je pouvais comparer ce qui sortait d'une conférence de rédaction classique, d'une conférence de rédaction ouverte. Et j'ai été frappé par l'imagination qui sortait des conférences de rédaction ouvertes. Or, parfois avec des trucs délirants qui étaient irréalisables, etc. Mais tout d'un coup, on sortait de ce modèle, ce moule, effectivement. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Enfin, voilà. Donc, je n'ai jamais cessé après de continuer dans cette veine-là. Et alors, moi, je considère vraiment que... mais j'en parlerai ce soir, parce que c'est ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Moi, je pratique toujours le journalisme aujourd'hui, mais presque exclusivement avec des non-professionnels. Voilà. Et ça m'a aidé du coup à me rendre compte qu'il y avait deux facettes dans le métier de journaliste. C'est au fur et à mesure que je pratique que ça me... Voilà. Je me dis, il y a toute la phase de recherche des informations et puis il y a toute la phase de leur mise en forme. Voilà. La phase de recherche des informations, moi j'estime, c'est-à-dire choisir un sujet, un angle, les personnes qu'on va voir, les interviewer, savoir préparer une interview... Voilà, tout ce boulot-là, moi je dis en gros en deux demi-journées, on peut former des citoyens à savoir faire ce travail-là, d'enquêteur, en fait, d'enquêteur du quotidien. Voilà. Et ça, je trouve qu'une société comme la nôtre aurait intérêt à ce qu'il y ait énormément de citoyens enquêteurs, parce que du coup, ça ramènerait de la réalité. Voilà. Le deuxième, qui est le volet de mise en forme, bah, ça demande plus de technicité, en écrit, en vidéo, maintenant où c'est multimédia, en intégration, etc. Donc, mais moi, j'ai fait de belles expériences. En fait, par exemple, il y a 3 ans, la délégation aux droits des femmes d'une ville de la banlieue parisienne me dit, voilà, on aimerait à l'occasion du 8 mars faire un journal. On a des groupes de femmes en alphabétisation, il y a 14 nationalités, on aimerait qu'elles racontent la situation des femmes dans leurs 14 pays, les luttes qui s'y mènent pour l'égalité. Moi, ça me passionne, ces trucs-là. Donc j'ai dit, ouais, pas de problème, on y va. Voilà. Et puis j'arrive à la première réunion et je me rends compte qu'il y avait beaucoup qui étaient en alphabétisation au niveau de débutant. Voilà. Et je me dis, là, t'as peut-être poussé le bouchon un peu loin. Et puis je discute avec les initiateurs et je leur dis, bon, est-ce que l'enjeu, il est linguistique ou il est citoyen? Voilà. Bien, non, l'enjeu, il est citoyen. C'est bien qu'elle s'exprime, voilà. Donc je dis, ben, dans ce cas-là, on va donner un gros coup de main à l'écriture. Mais c'est elles qui ont choisi tous leurs sujets, c'est elles qui ont choisi leurs angles, c'est elles qui ont choisi les personnes qu'elles interviewaient, qui ont parfois fait des interviews avec des associations de leur pays, dans leur langue d'origine, etc. Et après, il a fallu les traduire. Et au final, elles ont quand même relu l'ensemble avec les titres, les photos, etc. Elles ont le sentiment que c'est leur journal. Enfin, voilà, je veux dire qu'on ait donné un gros coup de main au niveau de la mise en forme. Voilà, donc je pense qu'il y a des possibilités comme ça. Donc non seulement ça, je ne suis pas contre, mais je pense qu'au contraire, d'abord, on a intérêt à sortir un peu de l'entre-soi, parce que c'est ça qui ouvre à d'autres sujets, d'autres manières de voir. Et puis ensuite, on peut effectivement confier du travail d'enquête à des gens qui sont pas voilà, donc moi je suis j'ai beaucoup de sympathie pour les médias participatifs citoyens, les aléas locaux. TV, non, c'est ça que toute là c'est les anciens, on va remonter à l'historique, mais justement parce que tu parles des aléas, je me suis un peu impliqué dans la, il y a une conférence permanente des médias libres, voilà, j'allais venir à cette conférence qui est en Creuse, en Corrèze. Nac, voilà. Voilà, vous rencontrez X, j'imagine, acteurs de médias participatifs. L'État via un fonds de soutien aux médias de proximité, on a déjà candidaté, essaye de soutenir, c'est déjà bien par rapport à ce qui... Mais vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces télévisions locales, enfin ces
ces médias participatifs, ces médias de proximité puissent émerger. Enfin, alors le fonds médias citoyens, c'est une bonne chose, je trouve. Ça se double, il y a un fonds maintenant à l'émergence des médias, donc à la création de médias nouveaux. D'accord. Moi, je me rappelle que quand j'ai fait mon projet là, il y a 20-25 ans, j'ai dit, mais il n'y a aucune aide à la création d'un média nouveau indépendant. Donc comment tu peux faire quand tu n'es pas dans un groupe déjà avec les reins solides pour lancer un nouveau média voilà. Donc il y a ce fonds-là, il y a des choses positives. Il y a le financement d'un certain nombre d'actions d'éducation aux médias qui peuvent aussi venir en complément de l'activité média proprement dite. D'ailleurs, le ministère a annoncé hier qu'ils allaient doubler le budget pour l'éducation aux médias. Donc je trouve qu'il y a, il y a quelques pistes intéressantes. Même si c'est des niches pour certains, bon bref. Alors après, par exemple, il y a un truc qui existe en Belgique, j'ai découvert ça récemment, et que je trouve super intéressant, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, un des problèmes... c'est que le travail de reportage, le vrai travail de journaliste de terrain, il coûte cher. Et donc il y a plein de rédacs maintenant où il y a, on va voir une rédaction de 50 journalistes, il y en a 48 qui sont au bureau, il y en a 2 qui sont sur le terrain. Enfin, c'est des proportions comme ça. Et en Belgique, il y a un fonds pour le journalisme qui finance, par exemple, uniquement le travail de terrain. Les médias qui font du travail de terrain. D'accord. En partant de ce constat, de dire, on sait que le reportage et l'enquête, ça coûte plus cher, c'est cela qu'on va financer. D'accord. Globalement, on a cité les trucs sur lesquels il y a des progrès. Hein. Le système des aides aux médias et à la presse, notamment, c'est la presse écrite, est quand même... complètement délirant. Avec les aides indirectes, postales et fiscales, qui font que le journal qui est le plus aidé, c'est le Figaro. C'est celui qui pourfend l'assistanat en général, mais qui ne pose pas la question. Et qui a parmi les 20 titres les plus soutenus, les 5 journaux, Télépoche, Téléloisirs, Téléstar, etc. Les galas, voilà. Donc je pense que là, on tombe sur la... Donc il faudrait profondément revoir ce système d'aide. Si Acrimed a quelques propositions. Oui, tout à fait. Bien. Muy bien. Bon, on va peut-être... merci à vous. Merci à vous, on va pas vous... Et bravo à Canal Pour. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis votre pantalon pourpre, justement. Et ma poule, elle va me chercher les olives.